Bonjour tout le monde. Hello everyone. I want to start by congratulating all of the new non-permanent members of the UN Security Council. And although Canada isn't one of them, I want to take a moment to talk about our work on the file. As Canadians know, we embarked on this journey 4 years ago now. We decided to throw our hat in the ring because we saw a unique opportunity to engage with our partners across the UN, build sustainable peace, and make real progress on issues that matter. And that's what we've gotten to do during this campaign. We forged new partnerships, we strengthened existing friendships, and we laid a solid foundation for an even greater collaboration in the future. And that's never been more critical. Now, more than ever, global cooperation is crucial not only to defeat the virus, but to address the great challenges of our time, challenges that transcend borders. Growing our economies, mitigating the impacts of climate change, building a lasting peace, advancing gender equality, protecting our citizens. We have to engage with partners to achieve these goals. Getting this seat was never an end in itself, but rather a means to an end. A means to ensure that our voice was heard and that our values upheld on the world stage. The bid was certainly one way to achieve this, but it's far from the only way. Moving forward, Canadians can count on us to keep working with our partners to make progress internationally on issues that matter to them. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et bien que le Canada n'en fasse pas partie, je voudrais prendre un moment pour parler du travail qu'on a accompli à cet égard. Comme les Canadiens le savent, on travaille sur ce dossier depuis 4 ans. On a décidé de déposer notre candidature parce qu'on y voyait une occasion unique de collaborer avec nos partenaires au sein des Nations Unies, de bâtir une paix durable et de réaliser des progrès concrets sur des enjeux qui comptent pour le Canada. Et c'est ce qu'on a fait pendant notre campagne. On a forgé de nouveaux partenariats, on a resserré nos liens d'amitié et on a préparé le terrain pour accroître la coopération à venir. Et ça n'a jamais été aussi important. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération mondiale est essentielle non seulement pour vaincre le virus, mais aussi pour relever les grands défis de notre époque, des défis qui ne connaissent pas de frontières. On doit travailler avec des partenaires si on veut assurer la croissance de nos économies, lutter contre les changements climatiques, instaurer une paix durable, faire avancer l'égalité des sexes et protéger nos citoyens. L'obtention de ce siège n'a jamais été une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir à une fin. Un moyen de s'assurer que notre voix sera entendue et que nos valeurs sont défendues sur la scène mondiale. Siéger au Conseil de sécurité était une façon d'y parvenir, mais c'est loin d'être la seule façon. Les Canadiens peuvent toujours compter sur nous pour continuer à travailler avec nos partenaires pour faire avancer les dossiers qui sont importants. Across the country, we're starting to reopen parts of the economy, and that's welcome news for everyone. But as we start loosening some restrictions, we also have to strengthen other measures so that we don't lose the progress we've made. As some people start heading back to work, testing and contact tracing is crucial. That's why we've been working with the provinces and territories to ensure that they have everything they need to keep people safe and healthy. And today, we're taking an important step forward toward containing the virus and safely restarting the economy. Led by the Canadian Digital Service and with the help of Shopify, BlackBerry, and the Government of Ontario, we've been working on a nationwide mobile app that will notify users if they've been exposed to COVID-19. We will soon begin testing this app in Ontario. There are already a number of other provinces, including BC, who are working with us on this, but it will be available to everyone in the coming weeks. Premier Ford will have more to say on how the app will work in Ontario later today, but I want to thank him and his government for their leadership and partnership. Now, I want to stress that this app will be completely voluntary. It'll be up to individual Canadians to decide whether to download the app or not. But the app will be most effective when as many people as possible have it. Here's how it's going to work.
If you test positive for COVID-19, a healthcare professional will help you upload your status anonymously to a national network. Other users who have the app and have been in proximity to you will then be alerted that they've been exposed to someone who's tested positive. The notification will encourage them to reach out to their local public health authorities. At no time will personal information be collected or shared, and no location services will be used. The privacy of Canadians will be fully respected. Aujourd'hui, on franchit une étape importante en vue de contenir le virus et de rouvrir l'économie de façon sécuritaire. Menée par le Service numérique canadien et en collaboration avec Shopify, BlackBerry et le gouvernement de l'Ontario, on est en train de développer une application mobile à l'échelle du pays qui va informer les usagers s'ils ont été exposés à la COVID-19. On va bientôt tester l'application en Ontario. Plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, travaillent déjà avec nous, mais l'application sera disponible partout au Canada au cours des prochaines semaines. L'application sera volontaire, pas obligatoire, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible. Donc, voici comment ça va fonctionner. Si vous recevez un résultat positif à un test de la COVID-19, un professionnel de la santé va vous aider à télécharger votre statut de manière anonyme sur un réseau national. Les autres usagers qui auront l'application et qui auront été près de vous seront alors alertés qu'ils ont été en proximité avec quelqu'un qui a testé positif. Cette alerte va les encourager à contacter leurs autorités sanitaires locales. Aucun renseignement personnel ne sera recueilli ou partagé et aucun service de localisation ne sera utilisé. La vie privée des Canadiens sera respectée en tout temps. Depuis quelques semaines, on commence à rouvrir plusieurs segments de l'économie. Mais la reprise présente des défis particuliers pour les différents secteurs. Je pense par exemple à l'industrie culturelle. Depuis le début de la crise, notre gouvernement a été là pour les artistes, les créateurs et les travailleurs du secteur. Le Conseil des arts du Canada estime que l'industrie culturelle a reçu au total plus de 2,5 milliards de dollars, notamment par l'entremise de programmes comme la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale d'urgence. En avril, on a accordé 500 millions de dollars pour appuyer nos artistes, nos créateurs et nos étoiles montantes du sport. Je peux d'ailleurs annoncer qu'aujourd'hui, on lance un portail en ligne pour accélérer le traitement de ces demandes. Les organismes qui désirent obtenir du financement pourront maintenant présenter une demande sur le site du gouvernement. On réalise des progrès importants, mais on sait qu'il reste encore du travail à faire. Au cours des derniers mois, nos musées ont connu des pertes de revenus majeures, ce qui menace les emplois de beaucoup de gens. Notre gouvernement a donc décidé de réaliser un nouvel investissement de 25,7 millions de dollars pour maintenir près de 200 emplois dans 7 musées nationaux à travers le pays. Nos musées racontent nos histoires, rendent hommage à nos artistes et enrichissent nos communautés. Les gens qui travaillent dans ces institutions préservent notre patrimoine canadien. Ils nous permettent d'apprendre du passé et de découvrir ceux et celles qui ont marqué notre pays. Since the beginning of the crisis, our government has been closely monitoring the spread of the virus, its impacts on our economy, and making the right adjustments along the way. We're going to keep listening to Canadians and look for other ways to support them as the situation evolves.